Mes très chers amis de la division Afrique de la FIFPO, mes très chers membres de l'AFI, Cyril, mon président, c'est parce que je me prépare pour représenter mon pays, qualifié pour la troisième fois de son histoire à la Coupe du Monde, que je n'ai pas pu être là lors de ces deux jours. Pas physiquement présent, mais mes pensées, comme toujours, depuis que j'ai accepté d'être président d'honneur de la division Afrique de la FIFPO, vous ont accompagné tout au long des travaux que vous avez menés. Alors, vous étiez en Côte d'Ivoire, chez moi, pour un congrès qui, si c'est inscrit dans la continuité, a témoigné de vos progrès, de la hauteur de vos exigences et de votre engagement pour tous nos frères footballeurs sur cette terre d'Afrique où le football est partout chez lui. Je me tiens régulièrement informé de vos travaux et je sais, sans me tromper, que vous travaillez tous dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie du footballeur sur notre continent. J'en veux pour preuve cette magnifique brochure qui va vous aider dans votre travail quotidien. Que pourrais-je vous dire d'autre que de continuer comme vous le faites à défendre les droits et les intérêts des footballeurs? Vous avez le soutien de tous les joueurs et vous avez aussi mon soutien. Au nom de tous les footballeurs et surtout les footballeurs africains, je vous remercie et vous offre ce maillot. Preuve de notre engagement à votre côté. Le nouveau maillot de la Côte d'Ivoire pour ce mondial, en espérant que cette campagne sera positive et fructueuse.